Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter le swap sur la mini box Saint-Valentin. Ma binôme, c'est un swap qui est organisé par le groupe Scrapez-vous. Ma binôme est Sandrine Fernandez. Elle a aussi une chaîne YouTube qui se prénomme Bichan, c'est-à-dire BYS plus loin SANE. Allez voir sa chaîne, il y a des trucs super sympas. Et allez voir notre groupe, il est trop sympa également. Donc voilà, c'est un swap sur la Saint-Valentin, je me répète. Et voilà, je voulais vous présenter avant de lui envoyer. Et voilà quoi. Ça peut vous donner également des idées pour d'éventuels swaps dans le futur pour échanger avec des amis et des passionnés de scrap. Donc voilà. Donc il s'agit d'une petite boîte comme ça qui est vraiment toute petite. C'est une boîte à jeux de cartes de chez Action. Donc je l'ai décorée avec un couple de nounours. Comme c'est sur le thème de la Saint-Valentin, j'ai ajouté un cœur en dentelle, un cœur en lin recouvert de dentelle. J'ai mis du lin recouvert d'un tulle à petits pois. Voilà. Tout autour, j'ai mis de la dentelle froufrou que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup cette petite dentelle. Et de l'autre côté, je l'ai habillé comme ça. J'ai mis un papier, puis j'ai mis un petit tampon fait maison. Donc voilà. À l'intérieur, elle est comme ceci. Là, j'ai mis un papier avec voilà, une broderie anglaise, des petits tags. Voilà. Petite tag. Alors j'ai mis un petit peu, c'est pas, enfin c'est pas facile. Si. J'ai mis des petites choses parce que bon évidemment c'est petit, hein, donc c'est plus petit que les embellishment box là. Bon ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus grand les autres. Ça c'est vraiment petit. Hein. Donc j'ai fait ce petit cadre à broder d'après le tuto de Cathy Chou Scrap. Allez voir sa chaîne également, c'est trop génial. Donc voilà, je l'ai fait à ma sauce. Hein. Moi, j'ai mis du tissu, etc. Et là, j'ai mis de la poudre embossée trois couleurs. Il y a du rose poudré, du blanc, du doré. Ça fait un très bel effet. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai fait un petit tambourin comme ça aussi, tout ça, beaucoup plus petit. Ensuite, j'ai fait des capsules Nespresso sur lesquelles j'ai mis un brad. Voilà. Et de la dentelle tout autour. Je les ai écrasées en fait les capsules. Donc j'ai mis ça. J'espère que vous voyez. Là, oui, c'est bon. J'ai mis ça. Ensuite, j'ai mis un petit embellissement que j'avais fait. Il y a même la vidéo sur ma chaîne avec toutes les chutes de dentelle. Là, vous voyez, j'ai habillé également le fond de ma boîte. De l'autre côté, je lui ai mis un petit porte-clés. C'est une petite bobine que j'ai altérée. Donc j'ai mis des petits rubans, des fleurs, des petits strass, des toutes petites fleurs ici. Voilà. Ça, c'est le petit cœur qui est aussi en tuto sur ma chaîne. Ça, ce sont des capsules altérées. Voilà. Que j'ai peint et que j'ai coupé les images et j'ai passé du glossy. J'espère. Je pense que vous voyez, oui, vous voyez bien là comme ça. Ça, c'est un petit cadre aussi de chez Action que j'ai passé la cire là, mince, de chez Prima, je ne me rappelle plus le nom. Oh. La wax or, une petite image de la collection. Brocade Extense ou un truc comme ça de chez Ciao Belle. Là, j'ai coupé les petites étiquettes et là aussi j'ai passé du glossy. Vous voyez bien là, voilà. Bon après forcément les petits cœurs, les petites choses comme ça pour la Saint-Valentin bien sûr, hein, petites fleurs, un petit machin là, je sais plus comment on appelle ça non plus, un chabi. Voilà. Donc j'ai mis tout ça. Moi j'ai mis ça.
Bon, j'espère que ça lui plaira. Moi, je me suis bien amusée à faire ça. En plus, j'adore faire ces petites choses-là. Donc, c'est un pur bonheur. Donc, je vais bientôt lui envoyer, comme j'ai presque fini. Alors, forcément, on ne peut pas mettre beaucoup, beaucoup d'embellissements parce que c'est tout petit. Et bon, après, mais moi, j'aime bien en mettre. Donc, mais bon, des fois, j'exagère peut-être un peu. Je sais pas. Enfin, bon, pour celle qui le reçoit, ça peut être très sympa, hein. Mais bon, moi, c'est voilà, ça vient du cœur. Donc voilà, donc ça c'est la petite boîte, voilà, ah, voilà, donc elle se ferme comme ça, hein. Je vais laisser de la remettre un petit peu mieux après. Elle est jolie, moi je l'aime bien, je vais peut-être m'en faire une, tiens oui, faut que oui, je vais la fermer après, je vais bien ranger tout ça tranquillement, bien arranger. Après, je lui ai mis, vous avez vu aussi la vidéo sur ma chaîne, la petite sucette là avec le petit ourson. Je lui ai mis un petit cœur que j'ai réalisé au crochet avec des petites fleurs et un petit cœur encore dessus. C'est un petit, en fait, c'est un petit, comme un petit porte-clés quoi. J'ai mis ça. Je lui ai mis également, je les ai emballées, mais ça, c'est celle que j'ai emballée là-dedans. Deux pinces d'autrefois, deux pinces à linge d'autrefois que j'ai customisées. Hein, voilà, je vous les ai présentées également sur ma chaîne. Donc ça va pas être trop des surprises pour Sandrine. Bon, tu m'excuses un peu, mais voilà. Enfin, si, il y a quand même des surprises, la boîte. Et là, j'ai fait une enveloppe parce que le fait qu'on fasse des swaps ensemble, à tous les swaps que l'on partage entre binômes, on s'échange des memory cards chez Memory Dex, voilà. Et donc voilà, moi je l'ai mis dans une enveloppe, mais j'ai aussi habillé mon enveloppe. Donc voilà, donc j'ai mis une petite image, un couple de petits chats, les petites fleurs, les jolies fleurs de l'auberge des loisirs, voilà ici, les petites plumettes. Là, à l'intérieur, j'ai mis un tag que j'ai également décoré, dans lequel je vais mettre mon petit mot. Je vais pas faire de carte, mais je vais lui mettre une petite bafouille ici. Là, vous voyez, j'ai mis une petite enveloppe papier cristal. Voilà. Donc ça va là-dedans. Comme ça. Je trouve ça sympa. Donc voilà. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai ma carte Memory Dex. Voilà, qu'elle pourra ajouter à sa petite collection. Donc voilà, c'était un plaisir de faire ça et voilà, moi j'aime bien partager, j'aime bien, voilà, c'est mon, ça me plaît bien quoi. Donc j'espère que tout ceci lui plaira, je pense. Après, voilà, c'est fait avec le cœur, comme on dit. Wali walou, les petites choses. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées également. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao à tutti!